Vous êtes Monsieur Sékou Traoré, originaire de Zérékoré. Vous nous avez raconté que vous avez été renversé par le cortège du président Alpha Condé. C'était le 22 mai 2015 à Zérékoré. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, nous étions en classe. C'était vers 16 h. Une délégation est venue dans notre salle nous dire que l'oral que le président aura la visite du président aujourd'hui à Zérékoré au gouvernorat, que nous allons se rassembler d'aller là-bas. Bon, on nous a fait sortir, on s'est suivi maintenant. On partait accueillir le président maintenant. À l'aéroport, hein? À l'aéroport, bien sûr. Bon, nous étions en route, on nous a dit que le président est venu dans l'hélicoptère et il est descendu au camp. Bon, on s'est retourné pour aller au camp maintenant. La pluie, il pleuvait maintenant quoi. Nous, on ne s'attendait pas maintenant que les militaires aussi rentraient maintenant. Bon, on partait maintenant au camp maintenant. C'est là-bas maintenant que les militaires rentraient, le cortège des militaires là, du président rentrait maintenant. Que c'est eux qui m'ont incidenté maintenant. Maintenant, le ministre de la Santé qui était là-bas, remis la main maintenant. Et moi, je me suis retrouvé à l'hôpital avec ma maman. Maman m'a dit maintenant que c'est eux qui nous a, que j'ai été incidenté maintenant par le cortège, que c'est eux qui nous a envoyé ici maintenant, que j'avais fait maintenant 2 semaines. Dans le coma. Que je comprendrai maintenant, que c'est ça qu'on s'est retrouvé maintenant. Maintenant, depuis, on est resté à l'hôpital maintenant. À l'hôpital de Zérékoré ou bien? Non, ici, là. Donc vous avez été finalement transporté ici à l'hôpital sino-guinéen de Kipe et c'est là que vous avez suivi certains traitements. Hein? Oui. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Bon, on était d'abord à Niassidi. De Niassidi maintenant, on nous a pris de m'envoyer à Sino-Guinée maintenant. Bon, après, on nous a fait sortir à l'hôpital, on nous a dit d'aller à la maison. Que je suis guéri maintenant. Depuis lors maintenant, personne ne s'est occupé de moi. Et quand vous étiez à l'hôpital de Sino-Guinée, qui s'est occupé de votre traitement? C'est la présidence ou bien ce sont vos parents? C'est Damantan qui s'est occupé de moi. L'ancien ministre Albert Damantan Camara. Albert Damantan Camara, oui. Maman m'a dit que c'est Damantan qui a donné ordre pour faire mes opérations. D'accord, l'opération est terminée. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes guéri là où vous êtes? Là où je suis comme ça, je me sens toujours mal. J'ai ma tête bas. Mon dos aussi, chaque fois. Par exemple, si je fais Tu marches quelques mètres, oui. quelques mètres comme ça, mon dos aussi me fait mal chaque fois. Vous avez il y a les traces de vos blessures, on peut voir au niveau de la main, par exemple, vous pouvez montrer qu'on puisse voir au niveau de la main. Et au niveau aussi de la jambe, je crois, vous avez toujours les stigmates, hein? Attention pour ne pas tomber. Voilà, les traces là, c'est visible. Et là, c'est le fer qui est à l'intérieur encore. Oui, bien sûr. Après l'opération, vous n'êtes plus en contact avec ces responsables pour savoir comment, notamment, sortir ce fer-là de votre jambe. Bon, la dernière fois que je me suis vu avec le ministre chargé, docteur ministre chargé à la présidence, Ça c'est qui? docteur Balou,
Docteur Balou, ce dernier m'avait dit d'aller au Chine-Guinée, d'aller voir Docteur Sandy, que Sandy n'a qu'à faire mes soins. Bon, j'avais commencé de venir à l'hôpital à ce dernier moment, je prenais des soins. Mais même en venant là-bas, ma maman n'a rien. Pour avoir même les transports de venir là-bas, ce n'était pas facile. Bon, comment dire, j'ai suivi les soins à ce dernier moment. Mais actuellement, là, je ne vais plus à Chine, je dis, il est comme ça. Pourquoi vous ne partez pas? Parce que même ce que nous mangeons, on ne gagne pas. Votre maman, on rappelle, elle est responsable du RPG à Zérikoré, je pense. Hein? Oui. Elle était de cette commission d'organisation ce jour-là quand vous avez été renversé, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Alors, vous nous avez parlé aussi d'une certaine assurance vie, puisque en vous voyant, on comprend que vous êtes devenu un handicapé. Oui. Alors, vous avez parlé de cette assurance vie, je crois bien, n'est-ce pas? Oui. Expliquez-nous un peu c'est quoi ce problème-là. Bon, on nous a dit aussi, moi et ma maman, il y a des gens qui nous ont dit. Ces gens-là même travaillent à Sectoria là-bas. Ils nous ont dit que si nous voyons que les gens-là ne s'occupent plus de vous, ne s'occupent plus de moi, que il y a quelque chose dedans, qu'il y a eu des gens qui manipulent mon problème. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils font en manipulant ce problème? Ils font quoi? Bon, on nous a dit franchement qu'ils ont mangé mon assurance. C'est-à-dire que la présidence a donné votre assurance vie pour permettre de vivre puisque vous êtes handicapé et que des personnes qui travaillent à la présidence ont mangé cet argent, c'est ça? On nous a dit que les gens qui sont au problème de mon... Qui s'occupaient de votre problème. Voilà, qu'ils ont... manger mon assurance. Et vous savez c'est qui? Je ne peux pas parler de l'air. Mais c'est même ils se connaissent. Ils se connaissent. Oui. Est-ce que vous avez échangé avec le ministre Damantan Camara autour de ça? Vous avez échangé avec lui pour connaître la suite de votre problème? Chaque fois, je me suis rencontré avec Damantan plusieurs fois. Où? À la présidence, à la rentrée de la présidence. Chaque jour même, d'abord, il me trouve à la rentrée de la présidence. À part de ça, les rencontres que je me suis vu avec lui, c'est à Koloya. À Koloya. Notre dernière rencontre à Koloya, même, il m'avait dit qu'il est en train de se voir avec Dr Balou, que mon problème est avec Dr Balou, que c'est lui qui est chargé d'un problème pareil de présidence comme ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, Dr Balou, il est qui? Dr Balou, lui, il est chargé aux malades de la présidence. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez que le président fasse aujourd'hui? Moi, je veux que et non qu'à m'aider. Parce que là où je suis comme ça, je suis devenu maintenant handicapé. J'ai perdu mes études. Vous étiez en classe de terminale, hein? Bien sûr. En 2015. Oui. Je ne sais pas chauffer. Lorsque j'avais eu l'incident, j'avais mon permis dans mon dans ma poche. C'est dans ça maintenant, ils ont pris mon permis, ils ont mis sur mes dossiers chauffer. Sinon, je n'étais pas sûr. Je sais qu'on est le véhicule. Oui. Mais votre profession, vous étiez élève à l'époque? Bien sûr, oui. Je suis élève. Oui. Donc, vous voulez quoi aujourd'hui? Je veux qu'ils n'ont qu'à prendre un prix d'un sens. Oui. Parce que là où je suis comme ça, je suis devenu handicapé maintenant. Oui. Même si je ne le dis pas, vous-même, vous me voyez. Ok.
bon courage, hein, et bonne chance. Ah, merci.